You're not alone, together we stand. I'll be by your side, you know I'll take your hand. When it gets cold and it feels like the end, there's no place to go, you know I won't give in. No, I won't give in. No, I won't give in. Hey, salut, j'étais à l'aéroport en ce moment. J'ai comme 3 heures d'attente, là, fait que j'ai rencontré quelqu'un dans l'avion. Ça fait comme 2 heures qu'on parle pour passer le temps, puis c'est vraiment chill. Hola. Hi, I'm Kyle, or Killian, from the Netherlands. And yeah, we ended up on the same flight from Colombia to Miami. We happened to have a flight leaving around the same time, around 9, so we had like 3-4 hours to waste. Here we are. And, you know, we've been talking, like, meeting people from other places. It gives you a new perspective. I think that is one of my favorite parts of traveling. Not necessarily seeing the places, but more so the people that I see there. Their stories. It gives you inspiration, you know? I totally agree. What you can do, like someone starts saying something like, oh, this country, you can do this. And maybe you never knew it even existed. And, you know, it's like a new golden life. Like, oh, you know what? That's what I'm gonna do. Yeah, that's a good one. That's nice. You know, thank you. Bye. Before it's too late, this could all disappear. Before the doors close and it comes to an end. With you by my side, I will fight and defend. I'll fight and defend. Hey, bon matin tout le monde. Je viens juste de me réveiller. Et en ce moment, 6h30 du matin. J'ai dormi un petit 2-3 heures. Puis en ce moment, je suis à l'aéroport LaGuardia pour prendre mon dernier avion de New York jusqu'à Montréal. C'est le dernier. Hey, pour vrai, 3 avions, c'est dur. J'étais tellement fatiguée hier. Là. Puis à New York, il a fallu que je change d'aéroport. Il a fallu que je prenne genre un train, un métro, puis une bus pour genre me rendre à l'aéroport à 3 heures du matin. C'était quelque chose, ça. Mais en tout cas, je suis arrivée, je me suis mis à terre puis j'ai dormi là. Mais comme, s'il était 3h du matin, ça a eu tout le monde qui était dans l'aéroport, on tombait tout à terre. Bref, vous l'avez vu un peu au début du vlog, finalement, je suis revenue à Cartagena une journée avant ce qui était prévu parce qu'il est arrivé une chose à Isla de Barú. Je vais vous expliquer ça. Dans le fond, j'étais supposée que c'était 4 nuits. Puis la troisième nuit, je me fais réveiller à 11h30 du soir, genre, par une énorme musique, ok? Genre, je comprends pas, on dirait qu'il y a un DJ dans ma chambre, ok? Tellement que c'est fort. Fait que là, je comprends pas, je sors de la chambre, devant l'hôtel, il y a un énorme haut-parleur, genre, il devait faire, pour vrai, genre, 1,5 m de haut, genre, c'était tellement énorme, puis la musique, c'était tellement fort. Fait que là, je sors, pour vrai, je m'en fous, là, je sors avec mon doigt, je vais voir le DJ, puis je demande, ça va finir genre à quelle heure, ça? Puis on me dit, ça finit dans 5 jours, parce que c'est la fête d'un de nos amis, puis on fait le coup partir pendant 5 jours. Fait que là, j'étais là, quoi, genre, vous allez jamais dormir? Puis là, ils disent, non, on dort pas, genre, c'est comme ça ici, sur la côte, des fois, on skip des nuits, puis c'est tout, c'est pas grave, on fait la fête. Ok, genre, puis les 5 hôtels à côté qui peuvent pas dormir, genre, on s'en fout. Fait qu'en tout cas, bref, on a toutes pas dormi de la nuit. Genre, tout le monde dans cette partie-là de la plage, on a toutes pas dormi. Fait que moi, j'ai dit, moi, je reste pas ici. Donc, le lendemain matin, je suis repartie pour Cartagena. Je suis retournée dans le premier hôtel avec Samy, là. Parce que j'ai envoyé un message, j'ai dit, Samy, t'as-tu de la place pour moi cette nuit, s'il te plaît? J'ai vraiment besoin de dormir. Fait qu'en tout cas, ça a fait du bien de pouvoir bien dormir pour cette nuit-là, avant la journée de voyageage d'avion, de 3 avions, là. J'avais vraiment besoin de sommeil. Fait que, ouais. C'est la fin du voyage, le voyage se termine. Il me reste juste mon petit vol puis je suis rendue à la maison. Qu'est-ce que j'ai pensé de l'Équateur et de la Colombie, mes impressions sur les deux? Pour moi, ça a été extrêmement différent parce que en Équateur, tu sais, j'ai voyagé avec Mathis, avec mon copain. Fait qu'on a vraiment fait comme juste les hostels puis tu sais, on restait souvent juste les deux ensemble puis on n'a pas parlé à beaucoup de gens. Donc c'était
c'était vraiment le fun pour vrai. Genre, l'Équateur, là, c'était surtout que c'est un pays qui a des secrets, là, comme je l'ai déjà dit. Là. Tu sais pas à quel point c'est malade, puis à quel point il y a des petits trésors partout jusqu'à temps que tu arrives là, puis que tu demandes aux gens qu'est-ce qu'il y a à voir. Genre, fait que c'était vraiment hot. Comme les paysages, les montagnes, les cratères, les volcans, tout ça, là, ça m'a tellement charmé pour vrai. Là, c'était juste malade. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça fou raide. C'est vraiment, vraiment un beau pays. Excusez ma voix un peu enrouée du matin. Puis la Colombie, en termes de paysage, ça m'a un peu moins charmée parce que c'est des énormes, énormes villes. Puis moi, je suis quelqu'un qui a de la misère avec les grosses, grosses villes. Là. Je trouve que ça a beaucoup d'énergie, ça fait beaucoup de sons, ça prend beaucoup d'énergie assez rapidement. De la difficulté à dormir la nuit parce que t'entends les voitures qui roulent, les chiens qui jappent, tout ça. Ça a été un petit peu plus difficile pour moi. Puis, tu sais, moi, les gros bâtiments, c'est pas quelque chose que je trouve ça beau. Genre, ça va m'impressionner. Ça me charme pas autant. Mais, vu que j'étais dans la famille à Simon, puis que c'est des amours, puis que, tu sais, qu'ils m'ont comme vraiment montré c'était quoi la vraie vie en Colombie, puis tout, ça, c'était vraiment, vraiment le fun. Puis, c'était vraiment différent comme voyage. C'était vraiment une immersion, là, tu sais. Puis, un des trucs que j'ai vraiment aimé, c'est que Simon, à chaque fois qu'on faisait comme une activité ou quelque chose, il invitait tout le temps ses amis, ou on allait tout le temps voir quelques amis à lui. Donc ça m'immersait encore plus, genre, dans la vie colombienne. Puis, tu sais, manger à la maison, la nourriture que Elvira, sa maman, a cuisiné, puis, tu sais, vivre leurs aventures avec eux autres, les hauts et les bas. C'était quelque chose que j'ai vraiment, vraiment apprécié. C'était une nouvelle expérience dans ma vie, puis c'était vraiment le fun. Puis aussi le fait que j'ai pu vraiment perfectionner mon espagnol, ça m'a tellement plu pour vrai, là. Comme, je me sens un peu triste en ce moment parce que je trouve que mon espagnol n'est pas parfait, puis que j'aurais aimé ça, pouvoir continuer à le parler, puis que ça devienne un gros 10 sur 10. Mais là, en ce moment, c'est comme un 7-8 sur 10. C'est pas parfait, mais tu sais, je peux dire que je parle espagnol. Je suis rendue trilingue, la gang. C'est quand même nice. Fait que, ouais, non, je pense que c'est pas mal ça, là, pour mes impressions. Il y a beaucoup d'énergie en Amérique du Sud. Il y a des gens partout. Puis, il y a des gens qui te sollicitent beaucoup parce qu'on a une tête à touriste. Les gens dans la rue, ils veulent te vendre des choses. Et ouais, ça a été quelque chose aussi qui était comme difficile. Genre, foutez-moi la paix, s'il vous plaît. Je veux juste me rendre à mon point B. Mais ça, c'était une autre ambiance, puis c'était vraiment le fun à découvrir. Donc, c'est la série de vlogs en Amérique du Sud se termine ici. Fait que je vous dis ciao. J'espère que vous avez apprécié ma compagnie dans cette aventure qui était l'Équateur et la Colombie. Puis, petit spoiler, dans 3 mois, au mois de novembre et de décembre, on se retrouve au Royaume-Uni pour faire l'Écosse, l'Irlande et l'Angleterre. Donc, soyez au rendez-vous. Ça va être vraiment le fun, je pense, un petit 2 mois de voyage au Royaume-Uni. Donc, on se dit ciao, à la prochaine. Puis jusqu'à là, rêver de voyage. Salut!